Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode avec Xander dans Far Cry 5. Bah, il y a plein de choses qui brûlent un peu avec Xander. Oui, faut que je t'aide, écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Leur drogue se répand partout. C'est de la merde toxique qui trafique chez Heaven's Gate. Cette saloperie est comme un smoothie de l'enfer, tu vois. Et elle est dans la rivière. Tu vois, ces gros conteneurs. Elle est partout, verts, hein. Ils sont pleins de grâce et les cinglés les expédient dans un endroit vachement important. On doit trouver où et les détruire. Mon coach de vie, il dit que les problèmes, c'est comme les tractions, faut les décomposer. Donc, première étape. Je lui vends un ordi qui pourrait nous aider à pister ces conteneurs. Ensuite, on les trouve et on les fait sauter, genre... Je ne sais pas quoi dire. Mission principale, rejoignez la station service, qui est à 715 mètres. Donc rejoignez le point de téléportation, sans doute ce sera un... On va d'abord aller parler à... Merci d'avoir nettoyé la marina. J'ai un défi pour toi, si tu te sens d'attaque. Put. Il y a un poisson albinos géant qui se balade dans la marina. On l'a surnommé Ragnar le Terrible. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge. Qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Il y serait encore si entré par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar. Tu parles trop menteur et tu bois dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Depuis des années, il est têtu. Il traîne souvent du côté de la petite île, là-bas. Ça remonterait le moral de tout le monde si on l'attrapait enfin. Et je pense que t'en es capable. D'abord, la mission annexe. Viens me bouffer, monsieur l'ours. Monsieur l'ours. Monsieur... Monsieur l'ours, c'est parti. Allez. Allez. Oui. 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 Ragnar. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge. Nanananana, il entra dans un bouge. Je me rappelle plus la chanson, mais... Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. T'es toujours là, toi. Tu vas être mon dîner. Viande et poisson. Je jure que je vais te bouffer. Hop là. Si je peux te dépecer dans la mer. Meurs, oui. Peau d'ours noir, dommage. J'aurais kiffé que ce soit un grizzly. Vu qu'on est sur l'île, on va en profiter pour aller chercher ça. J'ai passé 20 minutes à pêcher, putain. Tu m'étonnes, poisson spatule pêché, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Quel est ton putain de symbole indiquant ouest. Ouest, ouest, ouest. Ok, je l'ai vu. Toujours pas d'alligator dans l'eau d'ailleurs, hein. Un alligator. Enfin, je dis ça, mais... Souvent, c'est le moment où on en parle. Une couille arrive. Allez, plus que 12 tonnes. C'est tout bon. J'ai oublié. L'ordinateur va se connecter au GPS sur leur bateau. Malin, pas vrai? Alors, trouve l'ordinateur. Trouve les... Ah...
Désolé, autant pour moi, je me suis foiré, j'accepte. Là, celle-là, je la mettrai, je la couperai pas au montage, celle-là, vous inquiétez pas. Si vous saviez le nombre de morts que j'ai coupé au montage, pas dans cet épisode, mais... L'ordinateur va se connecter au GPS sur le bateau. Malin, pas vrai? Pas grave. Alors, trouve l'ordinateur, trouve les bateaux, et trouve leur conteneur. Et après, tu fais tout péter. Qu'est-ce que... Tout Jésus! Ça, c'est... Ça bouge! Prends la mitrailleuse! C'est compris! Mais non, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Pas doué les mecs, hein, je veux pas dire, mais... Oh. Mec ? Je bouge ! Je vais là-haut ! Rien du tout ! D'accord. J'ai une balle avec ton nom gravé dessus ! Bah écoute... J'attends. T'es sûr que t'avances? Qu'est-ce que... D'où tu sors? Tu vas regretter qu'on t'ait pas noyé dans la grâce! Tu peux compter sur moi! Prends de la honte, il est juste ici! T'avances, on croit qu'il sait se battre! Bah c'est pas que je crois, c'est qu'avec tous les mecs que j'ai butés... Oh, pardon, excuse-moi. Avec tous les mecs que j'ai butés ici, c'est pas que je crois que je sais me battre, c'est que je sais que je sais me battre. Voilà, c'est là la différence en fait. Oh. Ah. Ah. Il y en a bien un qui va se laisser. Oh oh. Oh. Décède. Du bol, hein. Boum. C'est bête hein, quand ça arrive, hein, franchement. Hop là, tu n'as rien vu. Tac. Bon bah tout le monde est mort, tout le monde il est refait, tout le monde il est fait. Comme ça. Ouais, j'ai fait mon taf. Le PC, bonjour. Attendez la fin du pire... Bah... Pff. Ça devrait pas être très long, hein, j'ai tué tout le monde. Oh, une pizza! Péroni. J'ai un signal GPS. On va pouvoir traquer ces bateaux. Je te conseille de les suivre depuis les airs. L'hélico d'Adélaïde et Paris, préviens-la pour qu'elle vienne te chercher. Prends de l'altitude et trouve ses conteneurs de grâce. Ah, attends, wouhou! J'ai mon hélicoptère, on va sortir à deux hélicoptères et le pagne. Du coup, on est. Attendez, faut que je trouve le. Plus libre. Hein? Je vois pas, mais elle est censée être dans le coin. Ah, ça c'est la belle vie. Enfermée dans mon hélico avec un pilote mignon et mon cher Xander dans l'oreille. Oh, Andy, c'est magique. Ça me rappelle que... Chut, mon ange. Maman réfléchit. J'ai perdu trop d'années de ma vie avec un macho de merde impuissant qui me... Ok, quand on aura trouvé les bateaux, suivez-les et nous mènerons direct à leur planque. Suivez le convoi de bateaux, je dois pas les détruire alors. Merde. Bon bah c'est parti alors. Hein. Merde, ils ont vu Adélaïde. Ok. Ah! Cool! Je vais mourir!
On s'en fout, Adélaïde. Adélaïde, tu vas mûrir. Ah non. Regrette d'annoncer ton futur décès, Adélaïde, malheureusement. Ah, plus de balles. Ça me passe au coin de la face. Aïe. J'en vois plus. J'en vois plus. Il est derrière tout ça, lui. Et il est quand même mourant. C'est étrange. Ok, là-bas y en a un. Ah, là y en a un paquet. Ok, 17, 18, 19, 20, voilà. Oh bye. La liberté par la pollution. Mais il est con. Elle parlait peut-être de ta vie sexuelle. Oh, si jamais avec elle. Enfin bref, à plus. À plus. C'est fini. Ok, cool. Cool. Rejoignez les con. Les con. What? Je me suis enfui trop vite. Oh merde. Faut pas que je refasse toute la quête quand même. Coup de ma gueule. Ils ont tous repop. Explosif en plein milieu. Ah. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que je peux m'enfuir avec mon hélicoptère ou pas? Ou est-ce que je me pose d'abord? Peut-être. Hop là. Cool. Et je clean ensuite. What? Ok. Bon, on va finir ce troisième épisode sur le tournage, la fin du tournage de Guy Marvel. J'espère, en tout cas la continuité.
Blood Dragon. Ah, crap. Ouais. Ah, ok. Voilà, bonjour. Quelle gueule, Coco. Merci. Mon équipe de tournage m'a lâché. Ils ont décampé. Et vous savez quoi? Je m'en tape. Il est arrivé la même chose à Coppola. Et regardez où il est maintenant. C'est pas faux. Nous sommes l'avenir du cinéma moderne. Quand on sera sur le podium l'année prochaine, c'est minable. Vous regrettez d'avoir douté de nous. Imaginez un peu, la scène de combat la plus épique jamais filmée, avec un micro-budget, des yeux qui hurlent, du sang, des explosions, mais aussi du cœur. Voilà, merci le cœur. Vous tuez votre petit chien aveugle et dépressif. Et non. Vous pétez un cœur. Oui. Genre massacre à coups de batte, balles dans la tronche, vol plané explosif, déflagration, un vrai festin sanglant. Le problème, c'est que j'ai passé tout le budget dans l'éclairage, du coup, je peux pas payer de figurant. Mais j'ai une idée. On va se servir des talents locaux. Je parle de ces têtes de nœuds sans cervelle qui se baladent un peu partout. D'accord. Prenez-moi quelques-uns de ces décérébrés et ramenez-les ici pour que je filme. Je vous donnerai des instructions au fur et à mesure, bébé. C'est parti, vive le cinéma indépendant. Ok. Allez voir quelques anges à 50 mètres d'ici. Yeah. Aïe. C'est efficace, hein. Amener d'autres anges. Oh merde. Ah bah ça y est, ils arrivent. Vous venez tous, c'est bon. Non, par contre tu me laisses passer, bonhomme, s'il te plaît, merci. Ah, c'est pas la bonne arme. Mais merde. T'as touché personne là, t'es sérieux? Ah. Aïe. Et merde, tu fais pas de... Fais un ange avec une arme de corps à corps. Aïe. Voilà. Et apparemment j'ai fait deux tirs dans la tête dans cet homme. On est trop fort. D'autres anges sur le plateau. Exécution par le haut. Un ange par explosion. C'est parti. Ah ! Venez voir papa. Hop là. Exécution par le haut, c'est fait. Explosion, c'est fait. T'as kiffé? T'as kiffé. Blood Dragon Free. C'est rigolo. Où es-tu? Tu es là. Oui, oui, oui. Pas un seul effet spécial, du travail de pro. T'as vu ça? En une seule prise. Dans deux, en fait, en vrai. Du génie. Foncez, soulevez-vous, sniffez du sucre ou de la saucisse. Faites ce que vous voulez. Je sais pas ce que font les jeunes de nos jours. Vous l'avez mérité. Sniffez de la saucisse, les gens. En tout cas. Aujourd'hui, il ne faut jamais remettre en question son talent, même si ça blesse des gens. Et quel qu'en soit le prix. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Maintenant, dégagez. J'ai un chef-d'œuvre à monter. Merci. Bah écoute, merci à toi parce que c'était vraiment épique comme. Comme mission. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo, cette série. Moi, je m'éclate beaucoup sur ce jeu que je ne pensais pas faire. En tout cas, très très bonne surprise. J'adore ce jeu. A plus, les gens. Et yo!